Yahweh. Soki otikingana kosuka wapie. Yahweh, nana beleli yo nzambe na nguya. Yahweh, yo kala sambo na nga papara. Onde yo, mobasi na nguya. Mukonzi na ngande yo. Bonjour peuple de Dieu. Votre école Mazambé. Et nous tenons à rendre grâce et louange à notre Dieu. Que vous allez coton dans Mazambé la biseau. Qui, quand nous nous endormions comme des morts, il nous a renouvelé le souffle de vie. Et a permis que nous puissions contempler cette nouvelle journée de mardi. Raison pour laquelle, avant de vaquer à nos différentes occupations, nous avons préféré nous retrouver autour de l'autel de sa parole pour rechercher sa face et lui soumettre nos requêtes. Et notre méditation de ce matin se trouve en deuxième des chroniques. Le chapitre 7e, le verset 14e, où il est écrit: si mon peuple, appelé par mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de leur voix méchante, alors j'entendrai du ciel et je pardonnerai leurs péchés et guérirai leur pays. Ça, c'est l'appel de notre Créateur. Vous et moi, nous sommes son peuple. Il dit: si moi et vous nous prions, si nous recherchons sa face comme nous le faisons chaque matin, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, il entendra. Il nous exaucera du haut des cieux. Il pardonnera notre péché. Et il guérira notre pays. Et c'est le moment. Si nous pouvons vaguer à cet exercice, nous allons expérimenter la main de Dieu. Il va nous préserver contre la contagion. Et il va guérir ceux qui sont déjà contaminés. Il y a un extrait de l'esprit de prophétie qui nous vient de la revue adventiste du 3 janvier 1907. Juste le 4e paragraphe. Ça va de pair avec le sujet de la méditation du jour. Où nous lisons: les membres de nos églises doivent être convertis pour devenir plus spirituels. Donc sans la conversion, on ne deviendra pas spirituel. Donc tous nous sommes appelés à nous convertir réellement. Une chair de croyants sincères et priant devrait encercler le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec ce programme de 100 jours de prière. Donc pendant 24 heures, des hommes et des femmes de prière, nous sommes en train de constituer toute une chaîne. Il n'y a pas une minute où il n'y a pas des cris, des prières qui sont en train de monter vers le trône de gloire. Et cela a des
effets sur la situation que l'humanité est en train de connaître maintenant. Que tout se prie avec humilité. Et c'est ce qui nous est demandé dans le passage que nous avons lu. Quelques voisins peuvent se réunir pour prier pour le Saint-Esprit. Que ceux qui ne peuvent pas quitter la maison rassemblent leurs enfants et s'unissent pour apprendre à prier ensemble. Ils peuvent réclamer la promesse du Sauveur qui dit: là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà pourquoi chaque matin, nous devons nous retrouver en famille dans nos maisons, intercéder ensemble. Alors que les enfants ne vont plus à l'école, voilà de bons moments pour leur apprendre à prier ensemble, jour après jour. Et lorsque les écoles seront ouvertes, nos enfants auront acquis une belle expérience spirituelle. Alors, pour ce matin, nous avons encore 5 requêtes de prière. Mais qu'est-ce que nous allons présenter au Seigneur? La première requête est la suivante. Nous allons prier pour que nous puissions savoir, en tant qu'Église, ce que signifie marcher humblement devant Dieu. Et les uns devant les autres. Nous allons prier afin qu'il nous enseigne comment prier, comment nous repentir, et que la guérison vienne lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Qu'un membre de famille demande cela à Dieu. La deuxième requête, nous allons prier pour que Dieu nous aide en tant que peuple à savoir ce que signifie être plus spirituel et comment créer une chaîne de prière dans le monde entier, comme nous sommes en train de le faire avec le programme de 100 jours. Quelle personne en famille puisse prendre cette requête? La troisième, nous allons prier pour les membres de l'Église vivant à la conférence du sud de l'Angleterre à Londres. Nous allons prier pour que, plutôt que cette pandémie fermant les églises, il y ait une croissance de l'Église, qui est un engagement accru envers Dieu et le service. Ainsi que la ponctualité et la cohérence de l'assistance. Parce que maintenant les églises sont fermées. La foi de plusieurs risque de se refroidir. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous allons prier précisément pour cette conférence de Londres. Mais nous n'allons pas oublier aussi de prier pour nos églises qui sont fermées aussi à travers le monde entier. Pour que le Seigneur puisse nous assister afin que nous puissions accroître notre engagement à le servir et à compter sur lui. Et que quand il y a des besoins, des nécessités, ça et là, que nous puissions être ponctuels, que nous puissions être cohérents pour assister. La troisième requête, la quatrième requête, nous allons prier pour nos jeunes à travers l'Europe, pour qu'ils reviennent à l'Église et pour que les parents soient des bons modèles positifs en amenant leurs enfants à l'Église.
L'Europe est en train de connaître une situation particulière. L'Europe est allée couper dans les camoufles qui sont là. Beaucoup de jeunes ne vont plus à l'église. Bilenge bilenge est allée couper sur les mangombates. Alors que maintenant nous avons cette chaîne de prière mondiale. Nous avons tant autorisé sur quoi dans ma bande les mots bimba. Nous voulons qu'une personne parmi nos membres de famille. Bilenge est moko na katé limota. Puisse prier de manière particulière. Aïe bako bon dans le lingue qui sont là. Pour les jeunes de ce continent européen. Pour la bilenge y a continent oui. Que Dieu touche leur cœur. Nous avons merci ma mité na mango. Qu'il ramène leur cœur aux parents. Et qu'ils reprennent le chemin de l'église. Mais aussi que les parents soient leurs modèles. Mais alors qu'on va le prier pour les jeunes de l'Europe. Mais passons aussi aux jeunes de nos entourages. Qui ne vont plus aussi à l'église. Et le Seigneur visite aussi ces jeunes-là. Et la dernière requête. Nous allons prier. Pour que chaque personne, peu importe son âge, ou même son sexe, ou son titre, ou son statut officiel, reconnaisse qu'il doit être témoin et messager de l'amour de Dieu. Dans un monde mourant. Donc, que chacun puisse prier pour l'une de ses requêtes avant que nous puissions vaguer à nos activités de la journée. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons également devant ta face pour te dire merci de la promesse de la journée qui nous dit que si nous nous humilions, si nous recherchons ta face, si nous nous détournons de mauvaises voies, toi, notre Dieu et notre Créateur, tu es disposé de nous exaucer de nos cieux et tu es prêt, éternel notre Dieu, à guérir notre pays. Voilà pourquoi nous venons humblement devant ta face, nous confessons et te supplions de ne pas nous en tenir à rigueur, mais de nous pardonner. Mais parce que tu nous as gracié, éternel notre Dieu, nous venons avec ces requêtes pour te les présenter. Puisses-tu, tendre Père Céleste, accepter de nous aider, à savoir, éternel notre Dieu, comment marcher humblement devant ta face. Que toi-même tu puisses nous aider, éternel notre Dieu, à apprendre comment prier, car nous ne savons pas prier. Que tu puisses nous aider, notre Dieu, à soutenir les uns et les autres. Que tu puisses nous aider, éternel notre Dieu, à savoir comment est-ce que nous pouvons nous repentir et te permettre de guérir notre pays. Que tu nous apprennes, éternel notre Dieu, à rechercher ta face, et cela pour ta gloire. Puisses-tu, notre Dieu et notre Père, nous aider en tant que ton peuple mis à part, à savoir ce que signifie être plus spirituel. Que tu nous aides à comprendre comment créer une chaîne de prière dans le monde pour le bien de ton peuple. Nous voulons, éternel Dieu d'amour, toi dont l'oreille est toujours attentive aux supplications de tes saints, te supplier de nous aider, nous en tant que membres de ton Église, et surtout ceux de l'Angleterre, sans oublier aussi ceux des environs, partout où les églises sont fermées. Que tu puisses aider, éternel notre Dieu, à continuer à aider et à contribuer à la croissance de ton Église malgré la fermeture. Que tu puisses nous aider, notre Dieu, à connaître une croissance dans notre engagement à te servir et à dépendre de toi. Que tu puisses nous aider, éternel notre Dieu, à être ponctuel chaque fois qu'il y a un besoin qui se fait manifester dans notre communauté. S'il y en a, éternel notre Dieu, qui sont éprouvés, que tu nous aides à venir à leur secours. S'il y en a qui sont affamés, alors que nous avons un peu de quoi manger, que nous puissions aussi partager avec nos semblables. Aide-nous, éternel notre Dieu, à soutenir nos jeunes qui ne vont plus à l'église. C'est pourquoi nous les abandonnons entre tes saintes mains, et en particulier ceux du continent européen. Que tu visites chaque jeune parce qu'ils sont créés à ton image et que tu connais chacun par son nom. Que tu puisses toucher leur cœur et les ramener à leurs parents. Que tu puisses causer avec eux en secret et créer la soif de te connaître et
de connaître ta parole. Et lorsqu'ils pourront reprendre le chemin de l'Église, nous allons te dire sincèrement merci. Certains d'entre eux, Seigneur notre Dieu, se sont égarés à cause du comportement de leurs parents. C'est pourquoi nous abandonnons tous les parents européens entre tes saintes mains, non seulement ceux de l'Europe, mais sur d'autres continents aussi, qui, à cause de leur comportement inconséquent, ont égaré les enfants. Que tu puisses aussi visiter ses parents, que tu puisses tenir notre Dieu les assister à se comporter conformément à ta parole pour aider les enfants à ne pas s'éloigner de toi, la source du salut. Dieu reste éternel, notre Dieu, que cette journée nous soit agréable, que tout ce que nous allons faire puisse contribuer à notre croissance, à notre édification et surtout au salut de nos semblables. Et que ta grâce puisse nous accompagner tout au long de la journée et que nous puissions la passer sous ton regard bienveillant et cela pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Amen. Oh, Lisa.
Thank you, Father, for this time you have given us to be in your presence. Thank you because we have the control of all humankind and all universe. Oh.